Sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Sage-Peau. Je crois que c'est un titre qui rend hommage au Sage-Peau. Qu'est-ce que ce groupe t'a apporté? On fait une Bah, disons dédicace ce qui m'a à apporté, bien sûr, par Mélophilo, là, il y a une dédicace aussi, Mélophilo, Danny Sage, Dan, Mélophilo Zox. Zoxy et Danny Dan. Ouais. Bah, disons que c'est les premiers rap que j'ai vraiment, écouté en boucle. Écouté en boucle quand je commençais à vraiment être fan de rap. Et voilà, t'as cette cassette, qu'est-ce qui fait marcher les sages qui est arrivée. C'était une révélation pour moi. À savoir que du fait que moi j'ai des grands frères qui sont beaucoup plus âgés que moi, que eux ont découvert le rap. Moi j'ai écouté du rap très tôt, mais j'écoutais ça de façon passive. Tu vois ce que je veux dire? De façon passive, ça veut dire que je suis là, ils écoutent Gangsta, Rakim, tout ça, tous ces trucs-là. Mais moi le moment où je commence vraiment à écouter ça de façon active, à vraiment être acteur de ce que j'écoute. Tu vois, déjà, t'as MC Solar. Le premier morceau dont je me rappelle, c'est MC Solar Quartier Nord. Tu vois, il a une version démo de Quartier Nord. Et je me rappelle, c'est la première verse, c'est le premier morceau de rap qui m'a marqué, que j'essayais d'apprendre par cœur, tu vois. Donc, t'as tout ce circuit-là, 501, tu vois, tout ça, 501. T'avais Zoxy qui apparaissait aussi sur un des morceaux de MC Solar, sur un freestyle, tu vois. Et voilà, le rapport que j'ai avec Sage Poète, c'est que, tu vois, comme c'est le premier truc que j'ai commencé à écouter, c'est les premiers styles que je cherchais à voir en tant que rappeur. D'accord. J'ai fait une analogie, en fait, avec le fait que, tu vois, ça fait longtemps que je suis dedans, de tout ce qui a pu se passer dans ma vie depuis ce moment-là, tu vois, tant sur le côté personnel que sur le côté artistique. Et c'est l'analogie que j'ai fait avec Sage Poète et ma vie, quoi. Je suis là depuis le cahier, les pics, qu'est-ce qui fait marcher les sages? Passerai du lance-pierre au gros cash, des flashs au tail de Moët. Tu parles de vie tout à l'heure, à l'instant même, et justement sur ce même titre des Sage-Peau, tu dis j'ai trébuché sous les soucis que j'avais mis sous le tapis. Ça revient toujours à la surface. Les soucis reviennent à la surface, même si on les cache. Bien sûr, bien sûr. C'était important. Bah, c'est des trucs de la vie classique, hein. Des choses qu'on aurait pu mieux faire, des choses où on n'avait pas conscience sur le moment présent, des fois qu'on s'est cru intelligent à vouloir passer par d'autres chemins, chercher d'autres stratégies, et au final, c'est des choses qui te rattrapent un peu plus tard et qui prennent un peu de l'ampleur et qui deviennent un peu plus costauds, tu vois, avec le temps. Des petites erreurs ou des faits des trucs d'inattention, de pas prendre certaines choses au sérieux. Tu vois, c'est ça que je souligne en fait avec cette ligne. Sur le morceau, d'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle La quarantaine. Tu dis, avant d'être riche, faudrait être libre. La liberté, ça veut dire quoi pour toi? La notion de liberté? Bah, si tu veux, tu vois, c'est très important de dissocier les deux parce qu'on a tendance à associer la richesse et la liberté automatiquement. Alors que si t'as des gros revenus, tu vois, si t'as des gros revenus et que tu es toujours lié par certaines obligations morales, certaines obligations, bah, le fait de devoir penser d'une certaine manière, le fait de devoir travailler avec certaines personnes, le fait de ne pas pouvoir dire certaines choses, bah, pour moi, ta liberté tombe à l'eau, t'es pas complètement libre. À partir du moment où tu es vraiment libre, tu peux vraiment exprimer ce que tu penses, exprimer ce que tu ressens. Bah, pour moi, c'est déjà la plus grosse étape, tu vois. C'est déjà vraiment, c'est ça la vraie liberté. C'est de pouvoir dire ce que Faut tu veux, quoi. pas, voilà, exactement, de pouvoir dire ce que tu penses, de pouvoir agir avec tes convictions à toi. Tu vois, ne pas chercher à aller dans une certaine direction. C'est vraiment ça que j'entends par la liberté. Et pour moi, c'est déjà une grande chose. C'est pas totalement lié. Pour moi, c'est pas totalement lié à la richesse directement. Même si le fait d'avoir des gros revenus, d'être riche, ça te permet de faire beaucoup de choses. Mais si t'es pas libre, c'est comme si le fait d'avoir de la richesse, ça tombait à l'eau, en fait. Donc, exhibition LP,
Je sais qu'on avait eu un petit débat il y a 1 an et demi. On parlait d'objectifs, etc. Qu'est-ce que tu t'es dit justement en réalisant cet album? Qu'est-ce que tu avais en tête? En termes d'objectifs, En termes d'objectifs, oui, en termes d'objectifs. Après, artistique, on est dans la même veine. Je ne vais pas dire que c'est pareil, tu vois, mais on est dans la, il y a la marque de fabrique, elle est là. On a une suite. Et du coup, toi, tes objectifs, ils sont où avec ce nouveau projet? Bah, c'était vraiment déjà d'aller dans la même direction, de pouvoir enfoncer le clou, de pouvoir affirmer sa position. Déjà, et d'affirmer sa position et de vraiment marquer sa place dans ce circuit, dans ce couloir. Du travail qu'on avait déjà commencé à faire il y a quelques années, c'est vraiment d'enfoncer le clou, de déposer le tampon pour se dire que voilà, d'être en gros une figure de proue de ce couloir en fait. Lorsqu'on s'était vu, on s'était vu par rapport à Côte-Est. Quelles avaient été ta conclusion par rapport à ce précédent album? T'avais quoi, c'était quoi la conclusion? Bah, les premières synthèses que j'ai eues, honnêtement, c'est ce qui m'ont donné envie de faire ce projet-là. C'est le fait que, voilà, il y avait des collaborations qui sont plutôt bien passées. Comme je t'ai dit, les prods que j'ai eus de Larry Kubiak sur ce projet, plus le single qui est sorti en dehors du projet, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont incité justement à faire une collaboration entière sur ce projet-là. Et voilà, vraiment faire découvrir ce producteur aussi. Comme c'est un producteur qui est assez en retrait, les retours que j'ai eus, c'est voilà de faire connaître ce producteur et de voilà de un peu plus m'imposer dans ce circuit, dans ce couloir. Aujourd'hui, alors, du coup, t'en es où là-dessus? C'est quoi les choses que tu as changées, que tu as transformées, ou tu te dis là, j'ai fait ça d'une telle manière à l'époque, maintenant je vais faire ça différemment aujourd'hui? Bah, si on veut, sur le côté artistique, j'ai envie de te dire que c'est au niveau de l'écriture. Là, j'essaye vraiment de, tu vois, même s'il y a ce travail de forme au niveau du choix des instrus, il y a cette histoire d'interprétation qui est toujours présente, c'est au niveau vraiment du contenu, au niveau de ce que je dis, au niveau de mes expériences de vie et de mes points de vue. Si tu écoutes bien le projet, j'essaie de donner beaucoup de choses. De donner beaucoup de choses par rapport à mes expériences de vie, le fait que tu prennes de l'âge et que tu vois les choses d'une certaine manière. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai essayé de développer, j'ai essayé de pousser le travail. Et donc sur chaque morceau, j'essaie d'être un peu plus profond que ce que j'ai pu faire auparavant, on va dire. Je pense que c'est la direction que j'aurai pour les prochaines étapes, pour les prochains opus. Rapport de force, langage universel qui monte pas. Aide-toi, on dit que le ciel t'aidera, petit Jah. Je prenais la parole sans lever le doigt. À hauteur des attentes.